Quand on est venu nous proposer d'accueillir cette sixième édition du prix Pictet avec pour thème Disorder, ça nous a semblé parfaitement adéquat puisque traiter des désordres du monde fait partie des activités de notre musée puisque cela reflète le travail du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous serons dans la salle dédiée à Jean Pictet et en fait il a été extrêmement actif dans les conventions de Genève, donc les droits de la guerre. Et son objectif était que même dans les guerres, il y a une limite. Les photographes ont une vue sur le monde beaucoup plus ouverte que le commun des mortels. C'est ce qui fait leur art. Ce qui est intéressant dans le prix Pictet, c'est la différence des façons dont les 12 finalistes traitent de cette thématique. Certains montrent le monde tel qu'il est, cruel, brutal, mais d'autres ont un traitement beaucoup plus symbolique, beaucoup plus poétique, artistique même, de la notion du désordre. Mais derrière ce traitement se cache aussi une réalité qui a à voir avec le désordre de l'environnement. L'architecture du musée est symbolique. Le fait que les trois architectes de la nouvelle scénographie proviennent d'horizons culturels différents représente aussi le symbole de la diversité et l'ampleur du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. The aim of art is to represent not the outward appearance of things, but their inward significance. I'm amazed by the creativity of the artist. Their photographs are silent, yet powerful calls to action. They remind us that each one of us has a role to play in mobilizing political will necessary to confront and overcome these global challenges. Le thème Disorder, c'est exactement contre quoi luttent toutes les Croix-Rouges du monde. Et justement, Jean Pictet, lui, a essayé de mettre un peu d'ordre dans le désordre.